those who made them Beetle Boars. Big bad Beetle Boars. Hey, look, now they're superheroes armed with superpowers. Who? Taken from a comic strip, and now they're Beetle Boars. Beetle Boars. Big bad Beetle Boars. Ça, c'est du grand tas. Oh, là, tu m'étonnes, Paul-Fin. Hé, Francky, combien il te reste de qui, de vous? Bon, attends, là, je vais t'aider. Combien de doigts est-ce que tu vois, là? Trois. Mais arrête de l'embêter. Il a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa petite tête. C'est pas sa faute. Son génie de père s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il lui a mal reconstruit le cerveau. Il n'y a pas de mal à essayer quand même. Pensez à lui demander des choses qui sont dans ses cordes. Le Frankie, va chercher ce livre sur les cercueils classiques. Ok. Oui. Il est bon. Un peu pas. Oh, ouais. Ah ben, grosse idée. Et toi, le marchand de glace, réveille-toi et fais ton travail. Qu'est-ce que vous voulez? On veut goûter aux 32 parfums. Oui, on veut goûter à tout. Vous êtes prêts, tous les deux? Oui. On y va. Ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on les avait pas vus, ceux-là. On va s'amuser. C'était facile. J'ai pas envie de me battre ce matin. Allez, on s'en va. Tu as raison, c'est plus prudent. Oui. Dépêchez-vous, on va arriver en retard à l'école. Ben oui. Il n'y a pas une fois où on est à l'heure. Mais je voulais goûter à tous les fruits et j'en ai eu seulement deux. C'est déjà mieux que rien. Arrêtez immédiatement ces chamailleries grotesques. Oh, toi, t'arrives bien. Pourquoi tu nous fais faire ces vols idiots ces temps-ci? Oui, c'est vrai. Bah oui, tu nous envoies en ville pour voler des épiceries. Eh oui. Les sacs des vieilles dames. Pour renverser les poubelles, enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Elle a raison. Tout ceci fait partie de mon nouveau plan génial pour venir à bout des Beetleborgs. Je les oblige à passer leur temps à s'occuper de vous et ils n'ont plus le temps de faire leurs études. Et s'ils deviennent des cancres, ils seront bientôt mis à la porte. Quoi? Et si les enfants deviennent des ratés, les Beetleborgs seront fichus. Regardez, on les laisse finir leur déjeuner. Non. Comme vous voudrez, faisons-leur une petite surprise. J'ai pris tellement de retard en histoire que je serai jamais prêt pour l'épreuve de vendredi. Moi non plus, on passe trop de temps à combattre les Magnavores. J'ai manqué mes cours de physique tous les jours depuis 2 semaines. Et nous aussi, on a un contrôle vendredi. Bah nous, on a une épreuve de maths à la fin de la semaine. Cette fois, on va pas manquer la classe. Où est-ce qu'ils sont? On n'a pas de temps à perdre. Venez vite! Base de combat, alerte rouge! Gargantis devrait pouvoir les abattre. Visiblement, ça ne suffit pas. Il faut une intervention aérienne. Je vais les éloigner de la
tranquille. Oh là là, ça se passe plutôt mal. Ah voilà, à moi de jouer. On retourne à l'école. Oui, pourquoi je suis aussi belle? Oh, t'es pire que ça. Oui, oh, je vous veux. J'ai une idée. Peut-être bien que tu as les oreilles sales et que ça t'empêche de bien entendre. Oui, 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 les oreilles sales. Oui, sales. Oui, oui. Alors, bonsoir. Reconnaissez qu'on ne voit pas ça tous les jours. Oui, voilà. Qui est là? Et moi, le docteur Baron von Frankenbeers. Je suis en votre retour. Laissez-moi entrer. Vous ne pouvez pas me laisser à la porte, voyons. Laissez-moi entrer. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Ouvrez cette porte, immédiatement. C'est le docteur Frankentruc. Je veux pas qu'il entre. Alors, tu es content de toi, espèce de brute épaisse. Regarde ce que tu as fait de la nouvelle porte d'entrée. Silence! J'ai quelque chose d'important à dire! Ça y est, ça recommence, il nous donne des ordres à tous, on devrait pas l'écouter! Non, oui, c'est pas normal. Oh, soyez heureux! Je suis revenu parce que j'ai trouvé le moyen de réparer les défauts que Franky a dans la matrice cérébrale. Un beau souhait. Ça veut dire qu'un jour il sera encore plus idiot. Non, pas du tout! Vous voyez que ceci n'a rien d'une banale visite. Non, j'espère que cette opération va faire de lui mon égal. Je vais faire de toi un vrai génie, comme moi. Peut-être pas aussi intelligent que moi, mais tu seras quand même un génie. La modestie ne l'étouffe pas. Oh non, alors. Silence! Je vous demanderai à tous d'aider à l'opération. Et je commencerai des potes trombinettes. Qu'est-ce qu'il raconte? Je veux dire tôt dans la matinée. Ouais, bien sûr. Mon plan se déroule parfaitement. Ah oui. Les Beetleborgs vont complètement rater leurs études. Bravo, bien joué. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ne faites surtout rien. Vous risqueriez de tout faire rater. Le numéro 136 se chargera de tout. Ah bon? Comment il va faire? Comme ceci. C'est la catastrophe. L'épreuve écrite a lieu demain et je suis pas prêt du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Hé, hey, regardez là-bas. Il y a mis longtemps que j'attendais ça, maman. Et ça continue. Vous êtes prêts? Oui. Beatles, commandeur. Beatles, march. Ça va aller? Attention! On est tous prêts! Ça va aller, Franky? Ça va aller, papa! À mon tour, on va l'anesthésier! Non! Il fait beaucoup de bruit pour rien, celui-là! Aversion. Ah, et bien sûr, on va encore être en retard. Oui, ça devient lassant. Nous avons fait de notre mieux. Il n'y a plus qu'à attendre. Dans combien de temps on sera fixé, docteur? Oh, c'est difficile à dire. Franky n'est pas comme les autres patients. Il cicatrise à une vitesse folle. Regardez. Oh, te voilà, mon petit.
Comment te sens-tu, Francky? Pardon? Quelle question chevronnée, je vais aussi bien qu'il est possible d'en... Ça alors? Tu arrives même à bien parler! Cela vous étonne-t-il? Je trouve que de la part de quelqu'un occupant mon rang social, c'est tout à fait naturel. Francky, combien ça fait 2 fois 2? Pour n'importe qui peut répondre à cette question imbécile. 4 et 4 fois 2 font 8. 6 fois 4 font 32, etc. Et 32 fois 8 font 256. Dois-je continuer? Non, Francky, c'est tout à fait inutile! Je déclare que l'opération est un succès! Oh, viens dans mes bras! Serre pour ton vieux père! Ah, mais... Vous rigolez ou quoi? Vous n'êtes pas mon papa. Ça, c'est la meilleure de mon papa. Avec un chiffre t-shirt et des joues farfasques. Vous n'allez pas vous comparer à un effet montré venu tout droit de Grèce. Francky! Mais je ne le crois pas! Je n'en crois pas mes oreilles! Mais très franchement, ce que vous croyez ou non ne me concerne absolument pas. Je vais vous laisser, messieurs, et je n'ai rien à faire dans cette espèce de bouge. Mais où est-ce que tu vas aller? Eh bien, dans un endroit où une personne de mon rang se trouvera à son aise, je ne m'abaisserai pas en restant avec de si vulgaires créatures. Est-il possible que vous soyez aussi vieux? Bien, donc je m'en vais. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Quel tonti! Ce n'est plus du tout le Francky qu'on aimait tellement. Docteur, qu'est-ce que vous lui avez fait? Je dois l'avouer! Oui, je viens de créer un monstre! Franck, quelque chose? Ça alors? T'es chic. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Nous n'avons aucune raison de te le dire, ma chère petite grande. Moi, je suis d'humeur plutôt conciliante aujourd'hui. En réalité, j'emmène mon fidèle compagnon faire un petit tour. Le voyez-vous? Allons, viens. Dépêche-toi. Voilà. Bravo, c'est très bien, très bien. À votre fils? Allons. Non, mais pas chaud. Ça alors? C'est très bizarre. Coucou, oh non, j'avais fini par l'oublier celui-là. Excusez-moi, mais j'ai des récoltes à aller brûler. À mon avis, il faut très vite aller s'en occuper. Mais comment ça, c'est notre faute? Si, c'est pourtant vous le savant fou ici. Eh, reconnaissez-le? Oui, je le reconnais, bien sûr. Mais je n'avais jamais eu d'aussi mauvais assistant que vous. Pardon? Oh. Oh oui, mais peut-être qu'en le réopérant avec notre aide, oui, vous le retransformerez. Hein? Comment ça? En le privant de son intelligence? Non, je ne ferai jamais cette chose-là. Ce serait inhumain. Mais il est inhumain alors qu'il est. C'est vrai. C'est devenu un snob. Et très franchement, ce Franck quelque chose là n'a rien à faire au milieu de nous autres. Oui, ça, il a raison. Je suis d'accord. Tu vas retourner dans ta bande dessinée. Ah oui. Je suis plutôt bien ici. Sonic Laser. Bonjour. Regardez la classe du coup de grâce. Et on a tellement été occupés qu'on n'a plus eu le temps d'étudier. Alors, on aimerait bien que vous nous transformiez en génie comme pour Frankenchose. Non, désolé. Ce qui vient d'arriver nous apprend que c'est une erreur de créer de l'intelligence. Il faut que vous étudiez. Que votre chance ne vous dérange en rien, je ne fais que passer, et je passe très vite. Je préfère faire connaissance avec l'œuvre de ce cher vieux Will. Ah oui, non. Ouais, je ne vois guère d'intérêt à bavarder avec des imbéciles. C'est une perte de temps. Ah oui, cette fois je comprends, il est devenu insupportable. Mais on a toujours nos épreuves écrites demain. Comment est-ce qu'on va faire? Venez, on va se régaler, les amis. Oh oui, j'ai senti l'odeur de jeunes mortels à la bonne chair fraîche et tendre et au sang bien chaud. Oh, quel régal! Oh, mais comment? C'est pas vrai! Mais pourquoi? Oh, assez!
idée lumineuse m'a frappé. Mom est fort en mathématiques et il peut aider Roland à réviser. Le comte est vieux d'environ 300 ans et ça lui permettra de t'aider en histoire. Et le docteur Frankenmachin aidera Joe avec sa physique. En travaillant ensemble, on réussira. Oui, mais il y a un léger problème. Je crois que les monstres préféreraient nous manger plutôt que nous aider. Très intelligente, cette petite. Oui, c'est une excellente remarque. Écoutez bien ceci. Je vous cuisinerai de bons et copieux petits déjeuners chaque jour pendant un mois si vous acceptez de les aider. Vous êtes d'accord? Tu y mettras beaucoup de vers de terre? Je mettrai même des vers de mer. Oh, une petite seconde. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est moi, je pense que ça sera moi les vers de terre. Oui, c'est d'accord. Ouais. Ouais. Formidable. Et tout le monde au travail. Flaubert, écoute ça! On est vite venu t'en parler! Ah oui? Expliquez un peu ce qui vous amène, les enfants. Oui, qu'est-ce que c'est que ce nacre? Voyons, dépêchez-vous! Grâce à l'aide de tout le monde, on a eu chacun la meilleure note de la classe! Oh, c'est une excellente nouvelle! Je vous félicite! J'ai eu l'impression que l'on bavardait, j'ai cru à un moment que c'était intelligemment, mais je vois hélas que c'est une fausse joie! Bien alors, au revoir, bébête, que vous êtes! Il devient vraiment très énervant. Ah oui, alors, c'est vrai. Non, Frankie est tombé dans les escaliers. Venez tous, dépêchez-vous. Frankie, ça va? Allez, lève-toi, mon gars. Allez, vas-y, parle-nous, Frankie. Comment tu te sens? Regardez-le. Mais on dirait que ça va. Baba. Quoi? Tu as dit papa? Frankie, mon petit dans mes bras. Et attendez. Moi, je voudrais être bien certain. Frankie de machin, là. Combien font 2 × 2? J'avais Jacques. Ouais, bravo, c'est faux. C'est bien lui, bienvenue au club. Oui, on espère que tu vas plus changer. Oh. Et quoi? On a tous fait un accord, comte, tu as promis. Oui, mais enfin, j'y ai réfléchi depuis hier. Tu as bien dit que tu nous faisais nos petits déjeuners. Oui. Mais maintenant, c'est l'heure du déjeuner.